Zelda no Densetsu, Twilight Princess, Zenkai Madewa. Oh, oh, j'aime. Oh, c'est. Que quoi? Oh, il y a plein de. Bien. On dirait qu'ils se dégonflent comme des ballons, quoi. Oh mon dieu, ceux qui ont joué à Ocarina of Time, vous devez comprendre pourquoi je suis dans cet état. C'est une réplique du Colosse du désert. Oh my god. What the fuck are you? Oh mon dieu, tu es effrayant. Ça, bouquet, on tsuzuke mashou. Encore et toujours cette petite musique qui nous met bien dans l'ambiance, hein, j'avais bien prévenu qu'on l'aurait à chaque fois. Lors du dernier épisode, on a réussi à récupérer l'aérouage en battant le mini-boss qui était tout de même vachement impressionnant. Donc là, on va continuer, on va retourner dans la salle là-bas en espérant que je puisse toujours y accéder. Parce qu'il me semble qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Ok, alors là déjà, on peut faire quelque chose. Je vais quand même... Oh, c'est peut-être pas la peine. On va commencer par ici. Je crois que je préfère inverser les deux. Ouais. Allez. D'accord. Et ensuite, il faut aller par là-bas. Alors non. Non. Voilà. Ok. Alors. Oh. Oh, il y a encore une statue, la vache, qu'elle est belle. D'accord. J'aime pas trop l'idée d'aller dans les sables là-dedans, mais on va pas avoir le choix, chérie. Oulala, oulala, oulala. Ok. Oh, salut. Attends, j'ai pas... Là. J'ai pas de bombe équipée, monsieur. Voilà, mangez ça. Bien, bien, bien. Qu'est-ce donc? Oh, un fragment de cœur. On prend. Très bien, chérie. Alors, et maintenant, où est-ce qu'on va, amour de ma vie? Par là-bas, je suppose. Je me suis complètement ratée. C'est pas grave. J'ai voulu aller sur le côté, ça n'a pas marché. That's ok, that's ok. Faites voir la mini-carte, il y a plein de coffres encore. Hein. Tac, tac, tac. Putain, Link, si tu avançais un peu plus vite, chérie d'amour. Je t'aime, tu le sais, mais waouh, quoi. Après, tes items sont pas très maniables. Ah, ça c'est cool. Très bien. Il nous reste plus que deux coffres. Alors, il faut remonter là-bas. Non. Tu vas mourir enseveli? Oh, doudou, doudou, doudou. Allez, on commence. Ok, ça n'avait pas d'importance, c'est très bien. C'est à partir de là que... Oh. Quelle beauté. Alors, c'est à partir de là que ça va être chiant. Je ne suis pas partie au bon moment. Ok. Ouh là là, d'accord, je ne suis pas dans le bon sens. Link. Voilà. Ok.
Oulala, où est-ce qu'on va? Amour? Où est-ce qu'on est? Ok. Putain, vous êtes deux. Une bombe, chérie? Si j'apprenais à me servir des boutons de la manette, ça serait bien. Ok. C'est le dernier coffre ici, j'ai l'impression. Yes! Un nouveau tampon, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on peut... On va déjà aller voir ce qu'il y a là-haut. Est-ce qu'on peut monter déjà? Oui, c'est un peu raide. Ah oui, d'accord. Il va falloir jongler. Très bien. Très bien, très bien. Ce n'est pas trop notre fort, mais alors... L'idéal, c'est de commencer par la gauche, je pense. Punaise. Ok, il fallait peut-être pas commencer par la gauche. On va commencer par la droite. Ça sera peut-être... Ouais, je sais pas. Hein. Many hours later. Oh, je vous jure, j'ai passé trois plombes à essayer de comprendre le timing de ce machin. Ça m'a saoulé. Ah, t'es là, toi, salut. Bâtard. J'ai galéré pour t'avoir, connard. Bien. Bien, bien, bien. J'ai juste un coffre qui me manque, mais je pense qu'on a eu tous les trucs les plus importants. On va aller se faire le boss. I suppose. Youp là. Et direct dans le trou. Yeehey. C'est parti. Allez. Yes. Bien, c'est parti mon kiki. Alors... Ouais, faut qu'on aille au milieu là. On va prendre encore un peu de hauteur. Ici. Normalement. Ouf. C'était juste, mais on y est arrivé. Ouais. Vas-y chérie. Allez. Ok. Ouf, comment il fait pour pas avoir le tournis? Bien, c'est l'heure du boss. je vais pas aimer ça. Je sais qui c'est. Normalement, c'est la grosse tête de squelette dégueu là. Je suis pas sûre qu'il soit si compliqué que ça à battre, mais je pense qu'il va être fastidieux quand même. Souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Je me souviens plus bien comment on fait. Je sais que c'est l'aérohache qui est au centre du gameplay pour le battre, évidemment. Oh putain. Ah putain. Ok. Je crois qu'il faut que je tape sa tête en esquivant les squelettes. Oh! Ok.
Encore en vie. Ce titre de héros aurait donc quelques fondements. Que cela est regrettable. Très regrettable, en effet. Surtout quand je songe que c'est l'ultime fois que nos chemins se croisent. Ah bon, tu crois? Tu penses vraiment que c'est la dernière fois que... Laisse-le tranquille, ce pauvre squelette. Il a rien fait de mal. Pas encore, du moins. Reviens te battre si t'es un fondu. Bien. Aïe. Ça va être chiant. Link, amour de ma vie. On a une fée. On a une fée. Salut. Déjà, on va prendre nos distances. Link. Umbaba, antique terreur ressuscité. Fort bien. Déjà, prends tes distances, chérie. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour me battre? Je ne sais pas. Ah oui. I think I know. D'accord. Déjà, ça, c'était une très mauvaise idée. J'avais pas vu qu'il y avait des trucs comme ça. Voilà. Normalement, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Où est-ce qu'on est? Ok, on est là, chérie. Ok, nice. Parce qu'il y en a de plus en plus, forcément. Ok. Ok. Merde. Chérie. D'accord. Oh, les cons! Là! Ils ont fait barrage, quoi, les enfoirés! Ok, je sais que c'est pas aussi simple que ça. Je sais que t'as une phase 2 où t'as ta tête qui vole, normalement. Il va y avoir une espèce de truc qui va germer au milieu, là. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Link, kono mama ja owaranai yo ne. Kono mama ja... Kantan da yo ne. Ok, allez. On lui fait sa fête et on rentre fêter ça autour d'un bon repas de Saint-Valentin qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. On n'a pas eu le temps de fêter la Saint-Valentin avec Link encore. Hein. Oui chérie. Oh. Salut. Link. Chérie. Attention. Amour. Allez. Normalement, je sais ce qu'il faut faire. Quand il est pile à côté, il faut s'éjecter sur le côté. Et esquiver ses boules, je suppose. Salut. Oh, d'accord. Je m'y suis prise trop tôt. C'est pas grave, chérie. Pardonne-moi. J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Il faut que j'attende qu'il tire sa boule avant de s'éjecter. Allez. Comme ça. Voilà. Comme ça. Not bad. Tiens. Oh là là. Ok. Oh non, eh oh. C'est pas un peu abusé du slip, ça? Salut.
Tiens! J'espère que c'est bien ça qu'il faut que je fasse, qu'il n'y a pas autre chose. Un petit peu de coca pour fêter tout ça. À notre santé, Link. Oh. Mais montrez-le de face quand il fait ça. Je vous jure. Bien joué, chérie. Ouais, les yeux, on dirait vraiment les yeux Shaker. Allez, Link, on y va. Le miroir des ombres est tout proche. Ok, nice. C'est parti. Normalement, on va avoir un peu de lore sur Twilight Princess, là, parce qu'il me semble qu'on va rencontrer les sages. Si je me souviens bien, je crois que oui. J'ai hâte. Ok. Alors. Toto. Oh! J'ai pas vu qu'il y a des trous. Dangereux. Mon Dieu, quelle musique effrayante. Nous y sommes, chérie. Chambre du miroir. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons, mes chers amis. Link! Doyukoto! Hisashiburini. Yattanda ne. Salut. Ouh là là. D'accord. D'accord, ça c'est fait. Ok. Le but c'est qu'il en reste que deux. Allez, on les approche. On essaie de pas se faire tuer. Nice! C'était évidemment trop beau qu'on puisse s'approcher de la statue sans qu'il ne se passe rien. Oui, bah 2 secondes, Midna. Allez, cette fois c'est la bonne. Oh, la classe de pouvoir faire ça. Oh! Mon amour. Ah ouais. Détends-toi, Midna. Oh, pauvre chéri. Ça va bien se passer. On va le reconstituer, ton miroir. Hey! Vous êtes spéciaux, vous, comme sages. Hein? Dans les ombres réside un pouvoir malfaisant, répandant partout les ténèbres.
Ô être élu qui porte le signe des déesses, le destin guide tes pas. Écoute nos paroles. Nous, sages, veillons depuis des temps immémoriaux sur le miroir des ombres ainsi que les déesses nous l'ont ordonné. Ce miroir des ombres que vous convoitez a été brisé par une effrayante magie et ses fragments éparpillés. Cette magie est un pouvoir né des ténèbres et qu'il contrôle. Cet être se nomme... Ganondorf. Vous sentez l'émotion dans ma voix? J'ai eu du mal à prononcer son nom. Il y a bien longtemps, il est venu à la tête d'une bande de pillards pour s'emparer de la terre sacrée. Salut mec. Imbu d'une puissance démoniaque, il était craint par ses pouvoirs, pour ses pouvoirs magiques et ses déprédations. Déprédations. Très joli mot. Que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, donc de prononcer. Mais cette même puissance causa sa perte. De la présomption de ceux qui restent aveugles au danger du pouvoir naît le germe de leur propre défaite. Cependant... Ouais, quelle ironie du sort. Le mec, il arrive à obtenir la triforce de la force pile au moment de se faire tuer. C'est quand même ironique. Hein. Les déesses ne sont pas sans amère ironie. Il s'avéra qu'il portait en lui le pouvoir d'un élu des déesses. Voilà. Ganon. Le sage de la forêt. Ça rien. Ce mélange de haine et d'avidité qu'il portait en lui grava en son âme une rancœur inextinguible. C'est sans doute lui qui a doté Xanto de ce pouvoir malfaisant. Si vous venez juste de comprendre d'où vient le pouvoir de Xanto, c'est bien trop tard. Le seul être ayant le pouvoir de détruire le miroir des ombres est celui que le peuple des ombres a reconnu comme son souverain. Brisé par la magie, le miroir des ombres a volé en éclats et les fragments se sont dispersés de par Hyrule. L'un d'entre eux gît quelque part dans les hauteurs enneigées. Un autre se cache dans une antique forêt. Et le dernier se trouve quelque part dans les cieux. Vous, instrument des déesses, vous seul avez une chance de réunir ces trois fragments. Mais ne vous attendez pas à une victoire aisée, car la magie imprégnant ces fragments est encore active. Oh. Eh ben, quelle histoire!